ne sont plus que quelques milliers, réfugiés au fin fond de l'Amazonie, et ils se savent condamnés. Repliés sur eux-mêmes, les Indiens profitent des derniers moments de répit que daigne leur accorder l'avancée inexorable de la civilisation. Les Chacobos de Bolivie ont longtemps résisté et puis, comme les autres, ont peu à peu délaissé leur activité préférée, la chasse, la pêche, le farniente, et se sont mis à travailler. Il y a 10 ans à peine, les Chacobos ont troqué plumes et peintures d'apparat contre jeans, baskets et casquettes, persuadés que se déguiser était indispensable pour effectuer le grand saut dans la modernité. Autrefois, pour les Chacobos, aller à la civilisation était une véritable expédition. Et puis, les caterpillars ont envahi la forêt, mordant à pleines dents dans le flanc des arbres, écrasant les racines, se moquant des obstacles les plus résistants. Les Chacobos n'ont pas eu peur de ces monstres géants, au contraire. Ils les ont même invités à venir tracer jusqu'au village la route du changement. Comme l'immense majorité des peuples de la forêt, les Chacobos sont contents d'avoir enfin rompu leur isolement. Comme la plupart d'entre eux, ils ne mesurent pas encore vraiment les dangers qui menacent désormais leur existence. Pendant des siècles, l'Amazonie a su résister aux dégâts causés par des générations d'aventuriers capables de tout détruire sur leur passage pour mettre la main sur des trésors que finalement personne n'a jamais trouvés. Longtemps, les hommes ont cru la forêt invincible. Aujourd'hui pourtant, elle montre des signes évidents de faiblesse. Quelque part, sur les rives du fleuve Twichy, dans cette zone où la forêt embrasse les pieds des premiers contreforts des Andes, des Indiens Takanas ont décidé de s'opposer aux envahisseurs en tout genre qui menacent de détruire systématiquement leur territoire. Il y a 20 ans déjà, leur village est passé au feu parce qu'il gênait les plans de développement d'une entreprise de canne à sucre. À l'époque, leurs parents terrorisés par les menaces proférées contre eux ont fui la région. Les enfants Takanas ont eu de la chance dans leur malheur. L'exil leur a permis d'étudier, un privilège inouï à l'époque pour des Indiens d'Amazonie. Devenus adultes à leur tour, ils ont décidé de rentrer. C'est là, sur les berges de ces cours d'eau capricieux mais poissonneux, c'est là, dans l'enchevêtrement des lianes et des racines, qu'ils avaient appris à respirer et à marcher, à pêcher et à chasser. C'est ainsi qu'ils entendaient à leur tour éduquer leurs enfants. Personne ne pourrait les en empêcher. Loriot, Rodolfo, Eric et les autres en ont fait le serment. Alliés de taille, dans cette bataille qui paraît parfois insensée, Rosa Maria. Originaire de La Paz, la capitale, cette fille d'une basque française installée en Bolivie a, elle aussi, grandi sur les berges du fleuve Twichy. Comme les Takanas, Rosa Maria a connu les chemins de l'exil. Et comme eux, elle a fini par répondre à l'appel de la forêt. Adolescente, Rosa Maria avait partagé avec Loriot et les autres ce rêve insensé, égoïste même, de se réserver un bout de forêt qu'aucun étranger n'aurait le pouvoir de pénétrer.
Dès son retour dans la région, le rêve est devenu nécessité. Rosa Maria a tout de suite saisi, vu l'ampleur des dégâts, qu'il fallait agir au plus vite pour sauver de la catastrophe les derniers recoins de la forêt vierge. Tout de suite, Rosa Maria a remonté le moral du groupe en leur assurant que les Takanas n'étaient pas seuls au monde à penser que l'arbre méritait le respect de l'homme. Au cours de ses pérégrinations à l'étranger, Rosa Maria avait fait la connaissance de poètes et de rêveurs qui pouvaient s'avérer de précieux alliés pour le groupe. Il l'avait d'ailleurs déjà prouvé en envoyant l'argent nécessaire à la construction d'un campement digne de ce nom. L'emplacement du camp est l'un des endroits préférés de tous. À deux pas du fleuve, pour pouvoir se baigner à tout moment et aller pêcher tranquillement sous les rayons de la lune. L'endroit s'appelle Kakiawara. En Takana, cela signifie la montagne de coca. Autrefois, les anciens aimaient venir s'y perdre. Ce tout petit bout de forêt enchanté, quasi inaccessible, est resté synonyme de refuge. Sur quelques hectares autour du camp, l'équipe a compté près de 200 variétés d'arbres différents. Une multitude de fleurs, de mousses, de tiges cohabitent dans la plus totale harmonie. Kakiawara est un échantillon presque intact de cette extraordinaire diversité de la nature que l'équipe voudrait tant réussir à protéger. Kakiawara, c'est l'odeur de vanille sauvage qui monte avec la rosée du matin. C'est le singe hurleur qui prévient de la visite du cougar. C'est la chanson des papillons aux ailes de cristal et les libellules qui pullulent. Kakiawara, c'est la magie qui s'empare de l'esprit des individus. Écoutez les bruits, les cris, les sons. On peut reconnaître chacun d'entre eux. Il y a celui des oiseaux, celui de la cigale des bois, et surtout celui de ce petit ver qui joue un air si particulier. Ici, j'ai l'impression de me retrouver dans un immense théâtre. Symbole et maître des lieux, Lara, confetti d'arc-en-ciel qui plane majestueusement au-dessus de la cime des arbres. Autrefois, les Takanas rêvaient de voler comme lui, pour permettre à leur esprit de se rapprocher de la lune ou du soleil, de se mêler aux étoiles. Ils faisaient appel à l'ayahuasca, la plante de l'illusion, celle qui donne des hallucinations et qui permet à l'esprit de se détacher du corps. C'est vrai, comme d'autres peuples de l'Amazonie, les Takanas consommaient de l'ayahuasca. Mais cette coutume a aujourd'hui pratiquement disparu. Les étrangers ont dit que c'était une pratique des sauvages qui rendait fous les hommes. Autrefois, c'était surtout les guérisseurs, les chamans, comme disaient les Blancs, qui faisaient appel au pouvoir magique de cette plante. Cela les aidait à entrer en communion avec les éléments de la nature. L'ayahuasca permettait surtout à chaque individu de comprendre par quel esprit animal il était habité. C'est important de savoir cela. Moi, par exemple, j'ai toujours su que l'animal vivait en moi. Même avant de venir ici, je savais cela.
Je suis un oiseau, c'est évident. Dans mes rêves, j'évolue comme un oiseau. Je vole très très haut dans le ciel et puis aussi au ras du sol. Ce que je préfère, c'est frôler la cime des arbres. Rosa Maria n'a jamais franchement eu besoin de la ayahuasca pour approcher son oiseau fétiche. Une corde lui suffit amplement pour se jeter dans les airs, du moment que l'oriot se charge d'éviter les atterrissages forcés. L'exercice n'a encore attiré personne d'autre dans l'équipe. La première fois que j'ai découvert cet endroit, j'étais toute petite. C'était fantastique. Il y avait des centaines d'aras, on aurait dit des nuages des couleurs qui se déplaçaient dans le ciel. Aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une seule main, et si on ne fait rien, ils vont finir par disparaître tout à fait. La présence de l'ara est devenue une sorte de thermomètre qui permet de mesurer l'état de santé de la forêt. Un univers trop dégradé et l'oiseau s'envole vers d'autres contrées. Seul moyen apparemment efficace de l'inciter à rester, c'est de l'aider à procréer dans de bonnes conditions. Chaque jour, ou presque, Rosa Maria descend en rappel le long de la falaise pour repérer les œufs délaissés dans les grottes et les nouveaux-nés que les mères n'ont pas sevrés. Ils sont systématiquement ramenés au camp. Malgré ces enlèvements réguliers, Rosa Maria semble avoir été acceptée par ses semblables ailés. L'ara est un animal extrêmement intelligent. Il comprend très vite ce qui se passe et sent parfaitement si quelqu'un lui veut du mal. Dans ce cas, il se met à crier pour avertir les autres de l'imminence du danger. L'ara s'approprie un territoire qu'il partage avec ses semblables. Si un couple part pendant plusieurs jours, ses voisins se chargent de protéger son nid contre la visite d'intrus. Il existe, entre tous, un véritable sentiment des communautés. Communauté, le mot est lâché. Il inspire le respect, évoque une autre époque, un monde disparu. C'est une règle de vie que la modernité a trop tendance à oublier et avec lequel Rosa Maria et les Takanas aimeraient réussir à renouer. Tout simplement peut-être parce que communauté rime avec respect. Respect de l'autre, de tous les autres, humains, insectes, plantes. Respect de cet ensemble que les Indiens ont toujours appelé la Pachamama, la terre nourricière. Celle que l'on vénère parce qu'elle donne la vie. Celle que l'on craint aussi parce qu'elle peut la reprendre à tout moment. J'ai toujours eu la curieuse sensation que la Pachamama me protégeait. C'est sûrement pour cela que je n'ai pas peur d'agir. Il existe une force dans la nature qu'il faut respecter. Si vous le faites, elle vous le rend et vous soutient. Le travail que l'on a entrepris ici est bien vu par cette force. Alors, elle nous aide. L'orgio, je l'ai pratiquement vu naître. Je venais d'arriver avec ma mère dans la région, j'étais encore toute petite. Sa famille m'a immédiatement adoptée. C'est donc un peu comme mon frère. Et c'est son père qui m'a appris les gestes essentiels pour pouvoir survivre dans la forêt.
Le père de l'Oriot et les Takanas de sa génération se sont éteints les uns après les autres, parfois de chagrin, le plus souvent de renoncement. Curieusement, la seule ancienne qui ait encore la force d'agir pour Kakiawara, c'est la mère de Rosa Maria, Madame Ruiz, qui pour des raisons de santé a dû abandonner la forêt et s'installer à La Paz. Là-bas, dans la lointaine capitale, elle fait des pieds et des mains pour empêcher les autorités de brader l'Amazonie au nom d'intérêts financiers à court terme. Madame Ruiz parle d'avenir économique aux politiciens les plus sceptiques et les met en garde contre la tentation de tuer la poule aux œufs d'or. L'entêtement de la vieille dame aux cheveux blancs a fini par payer. Un décret tout récemment promulgué reconnaît officiellement la nécessité de créer une réserve pour protéger Kagiawala. Rosa Maria et sa mère, après tant d'années de bataille acharnée, ont enfin obtenu ce qu'elles voulaient. À peine les dossiers officiels signés, Rosa Maria a quitté la capitale. Elle est partie seule. Sa mère aurait bien aimé l'accompagner pour présenter elle-même ce décret obtenu à l'arraché. Mais désormais, à bientôt 80 ans, la piste défoncée qui dégringole pendant 15 heures des hauts plateaux des Andes jusqu'en Amazonie lui fait peur. Pour une fois, Rosa Maria ne s'arrête pas à se reposer au village de Rurrenabaque, la dernière bourgade éclairée avant le grand saut dans la forêt. Elle bout d'impatience de voir les visages de ses compagnons, L'Oriot, Rodolfo et les autres, lorsqu'elle leur annoncera qu'ils ont obtenu gain de cause. L'essentiel de la bonne nouvelle annoncée par le décret, c'est qu'il reconnaît enfin aux Indiens Takana une certaine autorité sur la gestion de la forêt. Il n'est pas encore question de territoires autonomes, mais le fait est là. Personne d'autre que les Takana n'a le droit d'entreprendre quoi que ce soit à Kakiawala. Le lendemain, face à la carte qui précise les frontières du territoire à surveiller, les mines s'allongent. Et il y a de quoi. À une petite dizaine de personnes seulement, il va falloir couvrir près de 2 millions d'hectares. L'équivalent de deux départements français. Les autorités ont bien fini par céder, mais elles n'ont jamais dit qu'elles allaient contribuer financièrement, encore moins humainement, au succès de cette entreprise. Première des activités à mener sur l'ensemble de la zone protégée, recenser systématiquement tous ses habitants dont personne ne connaît encore très bien l'identité. Il y a les poissons et les reptiles, dont 22 espèces seraient mortelles. Il y a aussi les batraciens et les chauves-souris. Il y a surtout une quantité incroyable de plantes dont on ne connaît pas encore les propriétés. Comme l'équipe n'avait ni le temps, ni vraiment les compétences pour se lancer dans pareille entreprise,
Elle a fait appel à des scientifiques pour l'épauler. Pas question, cependant, de se laisser déposséder des résultats de l'étude. La région possède une biodiversité parmi les plus riches de la planète et qui ne devrait pas manquer d'attiser les convoitises. Racines, écorces et mousses en tout genre peuvent représenter de gigantesques intérêts économiques dans le domaine médical et pharmaceutique. Les Takanas l'ont bien compris et entendent surveiller ce qu'ils considèrent comme leur propriété. Les observateurs extérieurs sont donc triés sur le volet et s'engagent à présenter à l'équipe de Kaikiawara les résultats de leurs investigations avant de les divulguer à l'extérieur. Cela fait des années que des gens viennent prospecter dans la région. Les premiers demandaient à Lorgio ou à Rodolfo, cette plante-là, elle sert à quoi? Eux, sans se méfier, racontaient ce que leurs parents leur avaient expliqué. Plus tard, on découvrait en lisant dans une revue qu'un tel ou un tel avait découvert les propriétés de la dite plante. C'était rageant. C'est un peu comme la découverte de l'Amérique. Combien de Takanas sont morts en testant une plante pour savoir si elle guérissait? Cela leur donne des droits, non? Don Leocadio, le guérisseur du village de Buenavista, a consacré sa vie à l'étude des plantes. Rosa Maria le considère comme son maître en la matière. Don Leocadio n'a pourtant rien du grand magicien. Simple praticien, il conseille juste des cocktails de plantes pour les maux de tête, les règles douloureuses, les reins sensibles, les allergies aux piqûres d'insectes. Il possède aussi quelques potions particulièrement efficaces contre les venins de serpents. Son souci à lui, c'est de soigner en douceur, sans provoquer le moindre nouveau désordre physique chez ses patients qui lui en sont reconnaissants. Regardez, voilà la boulangère qui passe. Elle aussi, vous devriez la filmer. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. À peu près en même temps que la plupart des ethnies d'Amazonie, les Takanas ont décidé d'abandonner la vie nomade et se sont recyclés dans l'élevage et l'agriculture. Ils ont bâti des villages faciles d'accès et tournent peu à peu le dos à cette forêt qu'ils ont tant aimée. Coincés entre un passé qu'ils ne parviennent pas tout à fait à oublier et une société dont ils convoitent désormais les bienfaits matériels, les Takanas ne savent plus très bien où donner de la tête. Les discours de l'équipe de Kaikiawara sont séduisants. Ils ont le goût sucré de la liberté, mais ils ne réussissent pas à totalement les convaincre. Lorio et Rodolfo songent parfois à faire appel à la magie d'autrefois pour gagner le cœur des villageois. Une légende racontée par les vieux entretient l'idée que pour gagner l'amour ou l'amitié, il suffit de nouer ensemble les feuilles d'un palmier et de veiller à ce que le nœud ne se défasse jamais. Nos pères vivaient de rien. Ils n'avaient pas d'école, pas d'éducation. Nous avons été élevés comme des va-nu-pieds, sans vêtements corrects sur le dos. Maintenant, au moins les enfants du village sont habillés correctement. Ils ont des chaussures pour marcher. Notre vie a beaucoup changé au cours de ces dernières années. C'est mieux maintenant. Mais la forêt aussi a changé, et ça, c'est moins bien pour nous. Autrefois, il y avait des animaux partout. C'était facile de chasser et de pêcher. Maintenant, avec tout le bruit de ces tronçonneuses, les animaux ont fui. Il n'y a plus rien dans le coin. Nos coutumes changent par la force des choses. «
ceux de Kakiawara passent peut-être aux yeux des autres Takanas comme de doux rêveurs. Mais rêver est une activité que la tradition exige que l'on respecte. Surtout lorsqu'elle permet de garder les souvenirs, d'entretenir les plaisirs du passé. Tout le monde en a bien conscience. Il est important pour la survie de l'ethnie que quelqu'un continue de savoir lire entre les racines, décrypter les messages des lianes, parler le langage des arbres. Cet arbre-là s'appelle Evanto. Il a d'énormes propriétés médicinales. Autrefois, on s'en servait pour éliminer les parasites intestinaux. Celui-là s'appelle caripé. Les vieux se servaient de la résine pour durcir la céramique avant la cuisson. C'était surtout pour les grandes jarres que l'on transportait avec nous. Ces fourmis-là, c'est un peu notre baromètre à nous. Lorsqu'elles sortent, c'est qu'il va faire beau. Vous voyez ce qu'elles transportent d'un arbre à l'autre sur leur dos. Ça leur sert absolument à tout. Elles s'en nourrissent, bien sûr, mais elles l'utilisent comme engrais pour faire pousser des champignons dont elles font leur cocon pour la reproduction. Cette araignée tisse sa toile au beau milieu des chemins. Elle attrape tout ce qui passe comme insectes, des mouches, des moustiques, des guêpes. Le danger, c'est qu'elle peut nous attraper nous aussi. Il faut faire très attention et la repérer de loin, parce que si un seul filament frôle notre œil, on peut devenir aveugle. Regardez-les, celles-là. Ce sont des abeilles d'une espèce terriblement dangereuse. Elles adorent butiner les humains. Elles prennent chez nous ce qui ne nous sert plus à rien. La sueur, par exemple. Elles la sucent et la transforment en miel. Là, il ne faut surtout pas les déranger parce qu'elles construisent leur cabane. À l'époque des ordinateurs et d'Internet, le savoir ne pouvait plus se contenter de la mémoire et de la parole pour circuler. Toutes les histoires accumulées pendant des centaines d'années par des générations de Takanas sont désormais systématiquement enregistrées sur disquette. Certaines d'entre elles sont étonnantes. Les Takanas ont, par exemple, toujours soigné certains rhumatismes persistants en se laissant piquer par une nuée d'abeilles enragées. La douleur est, paraît-il, assez insupportable, mais l'effet, lui, est radical. Respecte scrupuleusement certaines règles à l'égard de son environnement proche. Pas question, par exemple, de couper des arbres vivants alors que les troncs arrachés par les pluies torrentielles abondent sur les berges du fleuve. Les bûcherons qui sillonnent la région ne s'embarrassent pas de ce genre de détails et feignent d'ignorer l'existence de ce décret nouveau qui interdit toute activité d'exploitation du bois. L'équipe passe donc une bonne partie de son temps à faire la chasse aux esprits récalcitrants. Pour l'instant, force est de constater que les résultats ne sont guère convaincants. Une bonne vingtaine d'espèces recensées en Amazonie font partie de la catégorie des bois précieux.
Les bûcherons l'ignorent totalement et s'acharnent sur seulement deux ou trois d'entre elles. Leur préféré, le marat, plus connu sous le nom d'acajou, a déjà pratiquement disparu. Il lui faut, il est vrai, une centaine d'années pour arriver à maturité et près d'un hectare pour s'épanouir. L'acajou est à la flore ce que l'ara est à la faune. Sa protection est à la fois une priorité absolue et un symbole. L'équipe de Kakawara est donc engagée dans une drôle de guerre contre un ennemi presque toujours invisible. Les bûcherons sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, à travailler comme tâcherons pour les grandes compagnies. Mais ils ne sont jamais plus de deux ou trois par équipe. Ils se déplacent à toute vitesse, parcourent des distances invraisemblables et ont surtout l'ouïe fort aguerrie. Malgré le vacarme infernal des tronçonneuses, ils peuvent déceler la présence d'intrus à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Cela leur laisse toujours le temps de filer. Une fois de plus, et tout le monde s'y attendait, il est trop tard. Les coupeurs se sont enfoncés un peu plus loin dans la forêt et les porteurs ont regagné le fleuve. Rosa Maria et le reste de l'équipe ne se découragent pas pour autant. La partie de cache-cache ne fait que commencer. Les entreprises d'exploitation du bois sont arrivées il y a fort longtemps déjà. Elles ont tout de suite tracé des chemins qui allaient très très loin dans la forêt. C'était une catastrophe. Le spectacle faisait peur à voir. J'ai essayé d'expliquer aux communautés indiennes qu'il fallait s'opposer à leur avancée. Ça n'a servi à rien. Elles les ont accueillies à bras ouverts. Pour les hommes, l'occasion était trop belle de trouver du travail sur place. C'est d'autant plus regrettable qu'au début, on aurait pu freiner la prospection. Maintenant, c'est une autre affaire. Le mal est fait. Les arguments avancés pour la protection de la forêt pèsent d'autant moins lourd que les bûcherons n'ont guère le loisir de réfléchir, pas même à leur propre avenir. La majorité d'entre eux est employée à la journée, et gagne un salaire dérisoire pour un travail épuisant. Celui qui dispose de sa propre tronçonneuse peut espérer gagner correctement de l'argent. Pour les autres, c'est différent. Plus c'est loin et moins c'est rentable. Le salaire correspond au poids, pas à la distance parcourue. Cooper, comme porteur, n'apprécie guère le raisonnement qui consiste à faire peser dans la même balance leur emploi et la protection du bois. Certains ont peur de devoir un jour plier bagage. Il ne s'agit pas de remettre en cause le travail des gens. Leur bataille quotidienne pour nourrir femmes et enfants mérite le plus grand des respects. Le vrai problème, c'est cet esprit nouveau qui incite les gens à gagner toujours plus d'argent. Que vont devenir ceux qui vivent dans la forêt depuis des siècles? Ils n'auront bientôt plus nulle part où aller. Loriot et Rosa Maria essaient tant bien que mal de jouer le rôle de garde forestier. Sans armes ni uniforme, la tâche s'avère plutôt compliquée. Les personnes prises sur le fait affirment généralement se trouver là par le plus grand des hasards. Aucune ne connaît de bûcheron, encore moins le nom du responsable du camp. Rosa Maria, le geste sec et le ton tranchant, est immédiatement assimilée à l'autorité, voire à l'armée. Autant dire que l'on s'en méfie. Ah,
Fais donc travailler un peu ta mémoire. Combien de fois nous sommes venus vous prévenir qu'il fallait partir? Ça fait 3 fois au moins, et vous continuez comme si de rien n'était. Sourire forcé et gêne dans les gestes trahissent la tension qui monte à chacune des rencontres. Puisque tu prétends que tu viens juste d'arriver de tes montagnes, moi personnellement je te suggère d'y retourner au plus vite, ça t'évitera bien des ennuis. On les appelle kayapo. Ce sont les radeaux locaux qui glissent tranquillement sur l'eau. Ils servent à la fois à transporter les hommes et le bois découpé. Chacun d'entre eux représente une jolie somme à l'arrivée à quai, surtout lorsqu'il s'agit d'acajou. Inutile de les arraisonner. Le mal est fait. L'équipe se veut délibérément optimiste et s'accroche à ces gestes timides de la main, à ces sourires encore trop rapidement esquissés pour se convaincre qu'elle finira bien par gagner la confiance des bûcherons. Le jour viendra où ils pourront sans doute parler de l'avenir de cette forêt, au moins parce qu'il s'agit d'un gagne-pain préservé. Comme partout ailleurs en Amazonie, l'exploitation forestière sur les berges du fleuve Tuichi n'est pas à un paradoxe près. La zone nouvellement protégée côtoie celle encore nombreuse où l'abattage est chaque jour plus intense. Personne ne connaissant exactement la frontière de l'interdiction, tout le monde se croit autorisé à la transgresser. Dans la bourgade de Rouré-Nabaké, les scieries ont pignon sur rue et ferment absolument les yeux sur l'origine des arbres qu'elles débitent en planches à longueur de journée. De leur côté, les autorités se refusent à entraver la bonne marche d'une économie locale qui rapporte beaucoup d'argent. La plupart des Boliviens ne comprennent d'ailleurs pas très bien pourquoi ils n'auraient pas le droit d'exploiter comme bon leur semble les ressources naturelles de leur pays. Certains industriels directement concernés brandissent même la menace d'un retour en force de la mafia de la coca si l'industrie du bois devait un jour fermer ses portes. Rosa Maria et Lorio savent qu'ils peuvent compter à Rouré-Nabaké sur quelques solides amitiés. Les temps ont bien changé. Rouré-Nabaké était, il y a quelques années encore, une ville de Far West. Il ne faisait pas bon traîner lorsqu'on osait critiquer l'autorité des parrains locaux et l'argent trop vite gagné. Il n'y a pas si longtemps, la rumeur courait que tout chauffeur qui m'est transporté dans son camion ne trouverait plus de travail dans la région. J'étais donc obligée de me déplacer à pied et parfois sous un soleil des plombs. En plus, il fallait voir la réaction des gens du coin face à une femme qui conduisait une barque à moteur sur le fleuve. Lorsqu'il me voyait passer, il tournait la tête pour bien s'assurer qu'il n'avait pas eu une vision. C'était presque drôle parfois. Et cela n'a d'ailleurs pas que des inconvénients. On me respecte aussi parce que je suis femme.
Comme il était impossible de sillonner 2 millions d'hectares à pied, Rosa Maria et Loriot ont décidé de survoler la réserve en avion. L'état des lieux est désastreux. Le premier bilan, accablant. Les égratignures des tronçonneuses sont à peine visibles à l'œil nu. La vraie blessure, c'est la brûlure. Les dégâts causés par quelques centaines de bûcherons ne représentent rien en comparaison des ravages occasionnés par des dizaines de milliers de paysans qui défrichent à tour de bras. Seules les premières fortes pluies peuvent venir à bout de la multitude de brasiers allumés en même temps et que le moindre coup de vent transforme en gigantesques incendies. Certains jours, le nuage de fumée prend de telles proportions que les habitants de la lointaine capitale se plaignent de picotements des yeux et de brûlures des poumons. La plupart des paysans pyromanes sont originaires des régions les plus déshéritées du pays. Ils sont prêts à tout pour conserver ce petit bout de forêt qu'ils ont défriché. Et la présence d'une poignée de tacanas réfractaires ne change rien à l'affaire. À chacun sa misère. Cette guerre de la terre est d'autant plus meurtrière qu'elle ne respecte aucune frontière et ne connaît pas de répit. Les sols brûlés donnent d'excellentes récoltes la première année. Les suivantes sont décevantes et contraignent les paysans à défricher des surfaces de plus en plus grandes. Les paysans quechua ne sont pas les seuls à convoiter les terres des Tacanas. De riches colons, le plus souvent des Blancs cette fois, descendants des conquérants espagnols, rêve tout haut de transformer la forêt en une gigantesque prairie où pourraient paître en paix quelques millions de têtes de bétail destinées à ravitailler les grandes chaînes internationales de restauration rapide. Pour les Tacanas, l'ennemi cette fois est terriblement puissant et en certains endroits, le résultat est époustouflant. Siècle, une famille de banquiers suisses, intrigués par l'incroyable rapidité avec laquelle certains Boliviens bâtissaient des empires, ont décidé de venir jouer des pionniers dans la forêt. Fascinée par la magie des lieux, la famille Ecker est restée en Bolivie et s'est taillée un territoire de plusieurs centaines de milliers d'hectares. La première génération a bâti des palais, la seconde les a entretenus. Les suivantes se sont contentées d'en hériter. Charme désuet, bâtisse délabrée, regard figé, le temps semble s'être arrêté à la fin du siècle dernier. Les méthodes de travail elles-mêmes n'ont guère changé. Les Indiens du coin, autrefois réduits en esclavage pour récolter le caoutchouc, sont aujourd'hui embauchés pour extraire le cœur des palmiers, ramasser les noix de cajou, les amandes abusivement surnommées du Brésil, alors qu'elles poussent aussi en Bolivie. Comme autrefois, la hacienda vit en complet autarcie 6 mois par an. Chaque travailleur est à demeure et est assuré de gagner suffisamment d'argent pour se nourrir et se loger, plus rarement épargné.
Rares sont ceux qui oseraient cependant contester un système, certes contraignant, mais qui évoque immanquablement un passé synonyme de prospérité. La maison équerre a survécu aux bouleversements qui ont jalonné l'histoire moderne de la Bolivie. Révolution de palais, coup d'État et insurrection en répétition n'ont rien changé à ses habitudes. Depuis quelques années cependant, les ingénieurs parlent de rentabilité et préconisent d'envoyer l'essentiel des machines à la casse. Pour l'instant, la direction fait la sourde oreille, consciente que la main-d'œuvre bon marché continue d'assurer l'essentiel du succès de l'entreprise. Moderniser exigerait, comme partout ailleurs dans le monde, de licencier. Et la famille Ecker, premier employeur de la région, avec 60 000 travailleurs, s'y refuse catégoriquement. Elle a bien trop peur de se retrouver avec des légions de chômeurs sur les bras, dont la seule chance de survie serait d'aller grossir les rangs des défricheurs. Amandes et noix de cajou ont le plus grand mal à percer sur les marchés à l'étranger. Le caoutchouc, en revanche, avec le sida, bénéficie d'un regain d'intérêt auquel personne ne s'attendait. La famille Ecker sait à merveille surfer sur les modes de pensée et essaie de ne pas rater la plus petite occasion de se développer. Plutôt que d'affronter les protecteurs en tout genre de l'environnement, elle s'affiche volontiers de leur côté et affirme que son rôle en faveur de la défense de l'Amazonie mérite une reconnaissance internationale. L'entreprise Ecker n'est pas la seule aujourd'hui à se soucier de son image de marque en matière de respect des arbres et des oiseaux, de la terre et des rivières. Le consortium de recherche pétrolière, coordonné par Total et récemment installé à deux pas de la réserve de Cacahuara, marche littéralement sur des œufs d'Ara. Le simple fait de prospecter le sous-sol, sans même parler de la possibilité d'exploiter un hypothétique gisement, a provoqué des réactions de rejet dès les premiers jours. La compagnie Total nous a contactés dès qu'elle a décidé d'effectuer les premiers forages des prospections. C'était logique. Leur première puits est à deux pas des Cacahuara. Nous étions d'ailleurs assez inquiets. Ils ont tout de suite cherché à nous rassurer en nous disant qu'ils ne feraient rien sans nous consulter. Ils ont d'ailleurs immédiatement tenu compte de nos premières suggestions. Lorsque nous leur avons fait part de nos inquiétudes à propos des hélicoptères qui risquaient de bouleverser le comportement des haras, ils ont répondu qu'ils allaient réfléchir à la possibilité d'échanger leur plan de vol. Les recherches n'ayant pas donné les résultats escomptés, elles devraient être rapidement abandonnées. Pour un temps, forêts et marécages vont pouvoir retomber dans leur torpeur habituelle. L'horizon gonfle de chaleur. Les arbres respirent à plein tronc l'humidité qui s'échappe des marécages pour tenter de rejoindre les nuages. Le ciel est désespérément vide. Le bruissement de l'eau se mêle au froissement des becs d'oiseaux. Un arbre se meurt. Et ce sont les oiseaux qui pleurent avant d'aller élire domicile ailleurs. Chacun fait comme si de rien n'était, pour éviter de subir le même sort. Les couleurs jouent au caméléon avec les rayons du soleil.
Que l'on ait les yeux grands ouverts ou fermés, cela ne change rien à l'atmosphère. La frontière entre le jour et la nuit, le rêve et la réalité, semble impossible à discerner. Tout est mystérieux, énigmatique, fiévreux. L'Amazonie, c'est l'enfer et la folie. Mais c'est aussi le paradis des peuples qui ont appris à se faufiler sans rien troubler de cet ordre établi depuis les premiers instants de la vie. La forêt était pour eux esprit et mémoire, espoir d'éternité. Elle est devenue source des peurs les plus profondément ancrées. La mort de la forêt ne peut être que le prélude à la disparition de toute humanité. Le plus grand mérite des Takanas de Kakiawara est sans doute de n'avoir pas cédé à la tentation de la fatalité et d'avoir volé au secours du géant blessé. En rendant à la forêt une infime partie de l'énergie qu'elle leur a toujours consacrée, les Takanas n'ont fait que respecter la vieille règle de la réciprocité commune à la plupart des peuples de la région. L'équipe de Kakiawara est parvenue à desserrer les tours de la modernité parce qu'elle sait jouer des mêmes outils. Le paradoxe n'est qu'apparent. Les Takanas sont prêts à tout pour convaincre le reste du monde qu'ils ont raison. Comme l'écrivait le Brésilien Euclide d'Acuna, l'Amazonie est la dernière page de la Genèse, une page que le Créateur a laissée à l'homme le soin de rédiger. Les Takanas voudraient éviter qu'elle ne soit irrémédiablement raturée.